C'est vendredi, mesdames et messieurs, vous savez très bien. Vendredi, j'ai ramené un événement sur vendredi, le Obélix Réaction version. Retro tous les vendredis maintenant. Voilà, vous savez, ça fait quelques 2, 3, 4 épisodes maintenant, c'est vendredi que je les ai fait. Donc, voilà, c'est carré maintenant. Hein, c'est carré sur vendredi. Obélix Réaction version Retro. Et dans cet épisode d'aujourd'hui, on va écouter, on va regarder le clip. Oh les 10 000, au fond d'un clip, voilà. Ça fait 12 ans que ce clip-là a vu le jour, voilà. Tidi featuring Papou, oh les 10 000, le son-là qui a cartonné. Il y a cela 12 ans, hein. Un son qui a été vraiment apprécié. Un son qui a été, oh les 10 000. Tidi Papou, voilà le titre qu'on va regarder ensemble dans cet épisode de Obélix Réaction version Retro. Mesdames et messieurs, je m'appelle Julie qui est Young Zoc. Si vous êtes prêts. Maniac Records, ok. Non, c'est pas vrai. Je vous donne juste une heure pour me ramener dans ce bureau. Oh les 10 000, Tidi Papou. Tidi qui est devenu tatoueur professionnel. Si vous voulez des tatoues de qualité, là, voilà, contactez Tidi, il est devenu tatoueur, ouais. Motion Pictures. Eh, j'ai un clip pour temps, mais il fait quoi? C'est Paulino, regarde. Motion, one day pictures, ok. Yeah. Oh, les 10 000, one day, les papillons. Et Dos Santos, one day, et puis Dos Santos, voilà, Maniac Team Records, TD, Pichu, Papou, oh, les 10 000, écoutez. Yeah. Oh, les 10 000, one day, les papillons. Là, TD et Papou, mais on combination. Je suis fier de te copier, ancien néga gonti. On t'a enlacé, sans mien, on l'a dit. Moto à la soca, t'es perdu, coup de bon. Is ma time au tchat jamais, néga hola ma kame. Sorry, je suis désolé. On est les best premiers. Tu veux juste entendre ma voix, baby, je suis là pour toi. Mais ton soleil, ton froid, je suis ta lumière dans le noir. Tu frissonnes quand tu me vois. Et ma reine et moi le roi, ouvrons le livre de notre histoire. Gypsy, babine et nez. Chasse à l'homme, mes clips. Ok. Oh les gym, achidede. Le fait de ne pas écouter des nouveaux projets, ce gars-là dans le game maintenant, ça me fait tellement mal. Hein. Voilà, pas pour la voix d'ange. Voilà, la mélodie, c'est lui-même, il s'appelle Mélodie, quoi. Non, lui-même, il s'appelle. Je n'ai plus rien de nouveau à vous dire à propos du gars, à propos de Papou, you know, you already know. Écoutez un peu son couplet depuis le début. Pourquoi chercher vous les cache, je m'en ai pas mis les paumés.
Et elle a perdu ses photos là dans ses bébés. Dis-le. Là dans ses bébés. On les gym, si va bien et nègre. On les gym, on les gym. On les gym, à chiller. Jim a chillé. On a baby le roux. 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 On Hey, what's fancy that? Big shout out to us, fancy. You know. Hey, Charlie, Baba Boy. Oh, baby Joe. It's Maniac Ricardia. Ideal communication. Maniac Macabre, tu as le défi à vivre. Ils sont où maintenant? Ah, je ne trouve que Tidi et puis voilà. Spencer et les autres là, je ne sais plus où ils sont. Bon, pas pour Minya Béa, les doigts, mais écoute. Oh les divi regardez, il y a cela 12 ans ce clip là est sorti et puis voilà, non c'est le kiff, c'était le kiff total hein. Ouais, très franchement c'était vraiment le kiff total, un son vraiment qui a fait son temps hein. Non le son était bon parce que voilà bientôt il y a ceux qui sont sur le podium bientôt mais voilà Tidi à l'époque là ouais jouait la Choco Boy autant en écoutant et puis Papou avec sa voix et c'est l'époque où il j'allais où là-bas. Il buzzait grave, voilà, on parlait de lui et tout. En tout cas, on les dit, mais Tidi, Papou, voilà le clip, qui était sorti il y a cela 12 ans. Voilà, dites-moi un peu l'anecdote, tout bien, ce que ce clip-là vous rappelle. C'était Obélix réaction version retro, dites-moi tout ce qui est, c'est pour la première fois peut-être que vous écoutez, vous regardez un clip de ce genre, bien, ce clip-là en particulier, dites-moi comment est-ce que vous trouvez le projet. Sinon, c'est un son que j'écoute de temps en temps, ouais, parce que ça ramène des souvenirs et tout. En tout cas, dites-moi ce que ce projet-là vous a ramené comme souvenir. Dites-nous tout en commentaire. En tout cas, voilà un peu ça qui me ramène à la fin de cet épisode de Obélix réaction version outro. Le nom c'est Julie Kayonzo. Ah, avant de vous laisser là, il y a le lien du projet que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Donc, à ceux qui veulent bien réécouter encore ce projet, vous pouvez aller réécouter le projet. Voilà. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode, les gars. Ici, là, portez-vous bien. Salut.